que le colis va bien, qu'il vit dignement. C'est un ancien président. Donc, voilà. On le traite en tant que tel. Ça, c'est normal, c'est logique. C'est ce qu'il faut faire. C'est tout. Là. Si vous voulez vous poser tous les bagages de la Guinée sur la tête. Allô? Oui, un rendez-vous. Allô? Oui, oui. Bienvenue, bonsoir la colère. Bienvenue, bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Mm-hmm. Bon, de toutes les façons, bonsoir tout le monde. On était encore, on était tout à l'heure sur ma plateforme. Hein? Donc, Et vous avez déménagé seulement. Donc, on a fait la même chose. On a juste fait le briefing de ce que, voilà, ce que j'ai dit là-bas. Mm-hmm. C'est presque la même chose que tu as dit ici aussi. Uh-huh. Par contre, voilà, là où moi je vais aussi marteler, c'est par rapport à effectivement UFDG, hein, qui aujourd'hui tout le monde le sait, parce que quand on regarde uh-huh. tous les partis politiques uh-huh. dans notre pays, on sait effectivement qui est prêt à aller aux élections et qui ne l'est pas en fait. Mmh. C'est clair pour tout le monde. Oui. Ils le savent tous. Mmh. Et ceux qui veulent créer des problèmes mmh. pour brouiller les pistes, pour nous empêcher d'aller aux élections, c'est ceux qui savent que mmh. si on part déjà là, d'office, c'est mort. Mmh. D'accord mmh. Alors, il faut qu'ils soient très malins. Il ne faudrait pas qu'ils qu'ils rentrent dans ce jeu-là oui. où certaines personnes vont les mettre en mal mm-hmm. avec la transition qui est en train de se faire. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas du tout qu'ils rentrent dans l'optique. Mm-hmm. Il faut qu'ils acceptent de faire en sorte qu'on parte vraiment vite, sans problème. En mm-hmm. fait. Parce que plus on dure dedans, mm-hmm. plus ces gens-là essayeront de trouver des solutions pour essayer de leur barrer la route. Mm-hmm. Nous, les citoyens, on sait déjà ce que nous avons à faire. Mm-hmm. On sait déjà ce que nous avons vu sur le terrain. Mm-hmm. Et nous, au moment venu, on fera notre travail. Mm-hmm. Mais il ne faut pas que ce soit eux qui s'érigent tout le temps. Voilà, c'est ça. Pour dire que c'est eux qui sont là pour... voilà. On est tous des citoyens de cette nation. C'est à nous tous de faire le boulot. Chacun mm-hmm. est en train de faire sa part. Pas qu'en train c'est de faire sa part ici. Moi aussi, j'étais tout à l'heure en train de faire ma part. Mm-hmm. Voilà. Ce que tu as dit tout à l'heure, soi-disant que voilà, on dit que c'est eux qui sont toujours en train de perturber toutes les gouvernances qui sont passées. C'est quelque chose. C'est un slogan. Hein? Mm-hmm. C'est une chanson mm-hmm. qui a déjà été entendue par tous les enfants de cette nation. Mm-hmm. Voilà. On dit tout le temps la même chose. Oui. Mais cette fois-ci, on va faire autrement. Oui. Cette fois-ci, on veut vraiment, comme Alpha Condé l'a dit, on veut faire les choses autrement maintenant. Voilà. On ne va plus se mettre au centre du monde. Oui. On va faire en sorte que les choses se passent bien pour mm-hmm. nous, mm-hmm. Pour toute la nation guinéenne, et qu'on aille de façon apaisée à ces élections-là. Mm-hmm. Le président de l'UFDG est sorti tout récemment. Mm-hmm. Il l'a rappelé. Qu'il y a certaines personnes, des mauvaises foi, mm-hmm. qui veulent le mettre en mal avec la junte. Oui. Alors que lui-même, mm-hmm. il a acté l'action que la junte a faite, mm-hmm. et que lui-même, il a accompagné cela, et que lui-même, même à l'extérieur, quand il a essayé de faire son oui, petit voyage qu'il a fait tout récemment, il a mm-hmm. essayé de marteler des cibles par devant les partenaires, comme quoi il faut soutenir la junte. Oui. À partir de là, je crois qu'il peut s'arrêter là. Mm-hmm. S'il y a quelqu'un qui a une dent contre la junte, il n'a qu'à aller là-bas. Mm-hmm. Se faire arracher les dents. Oui. Ce n'est pas à l'UFDG d'être toujours le marteau, la pioche vraiment, de tous les enfants de cette nation. Mm-hmm. Tout le monde a les mêmes intérêts. On doit se lever ensemble quand il s'agit de l'intérêt national. Mm-hmm. On ne va pas les mettre devant pour que ça soit que
ceux-là qui tombent toujours pour des lâches de cette nation. Et quand il faut partager le gâteau, c'est les premiers qui sortent la tête et ils ne veulent même plus entendre ceux qui se sont battus dans ce pays. C'est ce qui est en train de se faire. Les personnes qui n'étaient pas là, on parle des partis politiques, il y a des partis qui sortent des placards pour venir nous faire croire que ceci, cela, qu'ils veulent, peuvent porter, ils peuvent être les porte-voix du peuple de Guinée. Mais les porte-voix, nous, aujourd'hui, on ne peut pas se. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui peut porter la voix des citoyens guinéens. Parce que nous, on a vu ce qui s'est passé sur le terrain, ceux qui étaient là, on les a vus. Donc, pour porter la voix des citoyens de cette nation, il faut vraiment porter le manteau de la dignité nationale. Si tu n'as pas ce manteau, si tu pues la honte nationale, ça ne marchera pas. Donc, FDG, sincèrement, qu'il reste serein, je vous assure, d'ailleurs, tout le monde le sait, on fait les élections demain, tout le monde sait qui va gagner. Pourquoi? Parce que voilà, c'est eux qui sont prêts aujourd'hui à aller aux élections. Les autres là ne sont pas prêts du tout. On le sait très bien, ils ne sont pas prêts, ils ne sont plus installés. Voilà, ceux qui étaient bien installés comme eux, qui avaient leur antenne partout là, aujourd'hui, tout le monde sait leur place. Donc ils sont décriés partout. Celui qui est bien installé, qui a ses antennes partout, c'est UFDG. Les autres là, ils rament tous. Je vous le dis, ils rament tous et ils sont tous en train de taper des portes là pour trouver des investisseurs pour pouvoir aller aux élections. Ils n'ont même pas les moyens pour le faire. Ça, je vous le garantis. Donc, restons sereins, restez sereins, UFDG. Voilà, le combat là, vous avez déjà fait votre maximum là-dedans. Et attendez ceux qui pensent qu'il y a un autre combat à faire en face de quelqu'un qui vient de nous libérer. Attendons qu'ils fassent leur combat et on ira aux élections comme cela se doit. Et nous, les citoyens guinéens, chacun se prononcera dans la dignité et on portera celui qu'on veut au pouvoir. Combat. Donc, voilà. J'ai assez parlé aujourd'hui. 2 heures de show. Donc, je vais vraiment. Voilà. Je vais vraiment m'arrêter là. Sincèrement, ça n'a pas d'importance. Plus de manifestations inutiles qui va retarder, en fait, l'histoire d'aller aux élections. On veut aller aux élections. C'est ce que nous voulons. Donc, tout ce qui peut nous empêcher d'aller aux élections, on évite. D'accord? Parce que dès qu'il y a un mouvement dans le pays, ça retarde les choses. Et quand ça retarde les choses, ça arrange les fainéants qui n'ont pas travaillé pour évoluer, pour faire évoluer Leur leur groupe. parti. Voilà. Ça les arrange, eux. Donc, nous, ça ne nous arrange pas. Donnons-nous la main et allez, allons aux élections, tranquillement. Oui. Donc, à Taranaki, voilà. Ah ouais, merci beaucoup. Merci à la rappeler. OK. Ce que vous devez comprendre, celui qui écrit là que le Fama se repose, on n'a plus besoin de manifestations inutiles. Premièrement, je ne pense pas que le repos là, votre honte, ne classez pas ça. On sait que vous avez été moulé dans la honte. Ça ne vous, c'est votre voisin ou c'est votre ADN la honte. Mais il ne se repose pas. Il a très mal. Il se porte bien parce qu'il n'a pas le choix. Mais ce qui se passe aujourd'hui là, ce n'est pas son souhait. Même toi qui écris là, au fond de toi, tu as honte. Ça te dérange cette situation. Moi, je ne dis pas à l'UFDG de manifester ou de ne pas manifester. Par rapport à votre monsieur pourri là qui pue à distance là où il est, que je le sens, il sent mauvais jusqu'ici, qui est votre maudit colis là. Ce n'est pas par rapport à lui. Ce n'est pas par rapport à la population. Ce n'est pas par rapport au colonel. Ce n'est pas par rapport à la mort. C'est juste que les autres aussi doivent se bouger. Voilà. C'est ce côté-là que il y a des trucs qui peuvent se passer. Si vous, vous ne le faites pas, d'autres vont le faire. Mais comment les autres vont se manifester ou faire quoi que ce soit, prouver leur ras-le-bol, quand il y a des gens qui le font déjà à leur place et sur des années. Moi, c'est ce que je suis en train de combattre, même pendant ces 1 année-là, je le disais tout le temps, qu'il paraît que manifester, c'est un droit. D'accord. Mais nous ne sommes pas dans un état de droit.
C'est ce que je ne comprends pas. On n'est pas, on n'a jamais été dans un état de droit. La Guinée, ce n'est même pas un pays. Vous savez dans quelle zone elle est située. Côté sécurité, vous le savez. Côté alimentation, côté santé, vous le savez. Si on n'est pas parmi les 5 derniers, nous sommes parmi les 10 derniers. Mais nous sommes tellement habitués à être des derniers que nous pensons qu'être dernier là, que c'est normal. C'est comme un RPG, c'est le mensonge. Voilà. Donc moi, ce n'est pas par rapport à vous, hein. Ce n'est pas par rapport au colis. Il faut que les autres aussi fassent quelque chose. Et ils vont le faire. Chacun a sa façon de manifester. Les âmes se sont connectées. Les âmes étaient fatiguées. Tout le monde priait. Même si c'était un gorille qui était venu prendre votre pourriture là. On allait lui dire merci. Voilà. Même si c'était, je ne sais pas, un oiseau, le petit moineau là, était venu. Les gens allaient prendre l'oiseau là, comme ça. C'est ça. Ce n'est pas par rapport à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Hein. Attends. Je cherche un mal élevé là. Un impoli là, comme Alpha Condé. C'est lui que je cherche là pour le bloquer. Je te bloquerai tout à l'heure. Espèce de mal élevé, comme votre colis. C'est pourquoi vous avez eu l'humiliation mondiale. Omu Yagima. On a dit ouin ouin nanti. On a ouin bébri et ça a raconté bêtement. On a ouin menibri et ça a raconté parce que on mourut. Vous êtes très mal élevé. Très mal élevé, impoli comme Alpha Condé. Alpha Condé était très impoli. Très très mal élevé. C'est pourquoi les gens apprécient le colonel. Parce que même, on n'est pas habitué à ça. C'est ça le problème. On n'est pas habitué à ce que lui fait là. Même si ce n'est pas bon, on n'est pas habitué à ça. Parce que tu compares ce qui était là et ce qui est là aujourd'hui. Il est en comparaison. Quand tu compares les deux, il n'y a pas match. Voilà. Il n'y a pas match. À quel mara? On n'est pas habitué à dire les bonnes paroles. On est habitué à parler comme des sauvages. Le sauvage là, l'impoli là. C'est pourquoi il est là où il est. Et votre impolitesse, je vous ai dit. Millions de temps comme bébé, il guérit son fait dans même estomac, à la tine. Millions de femmes comme bébé, c'est bébé. Bébé, il m'y aura bien comme bébé. Il sait se défendre de la manière. Il sait se défendre de la caméra. N'a pas eu tête de mort, ça bébé. Et ça fait au nyoma, à la canne 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 à la canne. Il va tout dédé, on a courtariane. Courtari, on a courtari, est-ce qu'on canne, est-ce qu'on courtari d'arrivée, même un yang aura tout. On a la photo de la mena barabou. Alors, allô, barne, il faut mourir, on a tout né. On a coulon. On a fait, on a courtariane. On a courtari dans le fort. L'impoli là. Très impoli ce monsieur là. Très mal élevé. On nous prend un voyou. On nous l'amène à président de la République. Voilà, on va les chercher. Maintenant, on a fini de dire l'essentiel. On va couvrir le tongo. On va se mettre à la boule. Voilà. Prosper Kaba. Voilà Prosper Kaba. Voilà Prosper Kaba. Avec une femme qui a des faux cheveux. Vous voyez? Prosper Kaba habite à Paris. Il est de Cancan. Vous voyez? Il habite à Paris et il est de Cancan. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être c'est son père. Celui qui l'a mal élevé. Il a donné une très mauvaise éducation. Donc, voilà Prosper Kaba. Voilà Kandura Diaby encore. Il est encore revenu. Il se reposait. Il est revenu. Voilà. Les voilà ici. Donc, je vais cliquer dessus. Petit à petit. Camara Mamadi. Voilà, Camara Mamadi. Il est de Conakry. Il habite à Bangkok, selon ce qu'il a écrit. Je crois que ce sont ses enfants. Un garçon,
une fille. Ça, c'est Tamara Mamadi. J'appartiens à Dieu seul. Tu es sûr de ça? Et tu es impoli comme ça. Très mal élevé. Il met un truc coranique sur son profil. Il met la dame du Mali. Ça doit être un faux compte. Il met Alhamdoulilah. Un autre impoli encore. On dirait que c'est un faux compte. Tu appartiens à Dieu, mais tu es très impoli, comme Alpha Condé. On a un Saïdou Diallo. Il est à Caen, en Normandie. Le voilà. Je ne sais pas qui c'est celle-là, si c'est sa femme ou qui. Donc, il est en Normandie, à Caen. Saïdou Diallo. On a un Amara Touré. Je crois que c'est un faux compte. Il a combien d'amis? Bon, lui, il a mis ça. La carte de l'Afrique. Bonne fête de 62 ans. Amara Touré, tu n'as pas honte? 62 ans d'indépendance, vous n'avez même pas d'électricité. Tu n'es, certainement, tu n'es même pas en Guinée. Bon, il n'a pas de photo. Voilà. On va revenir encore. Monsieur Prosper Kaba. Cravaté. Voilà. Avec sa chérie. On va zoomer sur madame. Bras dessus, bras dessous. Vos chéris viennent faire l'impolitesse sur les pages déjà. Madame Kaba. Rien gagne à la watanana qui dit. Le voilà ici. Ah, c'est la nouveauté de mes frères et soeurs. C'est comme ça maintenant. Je vous... Quand il y aura toi ton anniversaire, il faut qu'on continue, il faut qu'on dise encore. Le voilà, voilà sa fille ici. Lui, vous le connaissez, non? Le voilà ici. Un vieux très éhonté. Tanando, dembaya kanyi belebele. Dembaya belebele kanyi. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des nouvelles têtes, il y en a 6. Donc, les têtes de mort, on a Prosper Kaba, Kandura Diaby que vous connaissez, Kamara Mamadi, c'est la première fois, Prosper Kaba, c'est la première fois, j'appartiens à Dieu, c'est la première fois, Saïd Diallo, je crois que c'est la première fois, Amara Touré aussi, c'est la première fois, mais Kandura, vous le connaissez déjà, donc il y en a 6. Attendez. Il a répondu, on va lire certains commentaires. Monsieur 224, il a répondu à celle pour la date de la transition. Oui, il vous a répondu aussi pour le colis qui est enfermé et vous qui voulez qu'il échoue. Donc, c'est pareil. Je ne vois pas pourquoi c'est seulement à celle qu'il va répondre. On verra plus tard qui ça dérange vraiment. Si on est patient. Merci beaucoup. Franchement, Madame Sissoko, vous avez beaucoup d'inspiration et vous dégagez de la sagesse. Merci, mon frère. C'est le voile qui fait ça. Quand tu es avec Allah, il est avec toi. Oui, j'ai peur de faire les critiques contre Doumbouya. Bien sûr. Hey, quelqu'un qui a dégagé l'impoli là. J'ai peur que. Ah, toi aussi. Celui qui est venu écrire ça ici. J'ai peur. Ah, moi ça va mon garouma. Et ton enfant. Garouma n'est rien. Non, on va t'en dégager. N'a pas de là. Ah, dis. Ah. N'a pas de soudé. N'a pas de soudé. N'a on a un impoli, on a un brasega. Et on a un modèle, on a défendu, on a un modèle. Parce que allez, au Kaya et tout, c'est là que tu te rends compte que ça, c'est un parti qui est perdu. Les gens qui les défendent.
Tu as vu, hein? Je les attire sur ma page. Ma page, il y a quoi, Bédé? Parce que nous avons fait des séries sur lui. C'est moi qui sais vous. C'est moi qui vous ai. Qui a arrangé votre gars. Et gratuitement. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Dieu merci. Amina, Amina. Les gens envoient les messages de doigts ou de prières et tout. C'est ça. Que Dieu protège notre colonel bien-aimé. Voilà. Qui nous a débarrassé de ce mal élevé très impoli. Donc, on le remercie pour ça. Et comme il s'en occupe très bien, selon lui, il se porte bien. Dieu merci. Voilà, c'est comme ça. Lancé, toi, tu es très poli. Je vais te bloquer. Très mal élevé, comme Alpha Condé. Là, il y a une autre honte qui va bientôt se diriger. Je vous avais dit que la porte de la honte était ouverte, ou bien? Hein? La porte de la honte était ouverte. Mon frère, je ressemble à Nantou Shérif. Nantou Shérif, elle est Hadja. Elle est Hadja. Et elle a distribué des diplômes d'injures. Donc, je lui ressemble. C'est normal. C'est pourquoi on vous dit que les gens qu'on met à la tête là, il faut voir c'est quelle catégorie. Parce que ça joue sur nous. Nana joue au mobile meki. O me gara bologe ton gogur tari. O et yari. Donc à repercuter mané mouma. On va chercher une tête de mort. Si c'est un faux compte. C'est pas bon. Si c'est un vrai compte. Voilà, Aïcha Kaba. C'est toujours eux. Avec sa petite fille. Marata Zawuradema. Voilà sa petite fille. Aïcha Kaba. 91 amis. Elle a une petite fille sur son compte. Voilà sa fille. Qui a des lunettes. À son âge. Les lunettes de star. Des perdus, des gens complètement perdus, ces gens-là. L'autre, là, il a un nom bizarre. Tu vois. C'est-à-dire, c'est toujours ces catégories-là. Regarde. Il expose l'argent. Sa tête est coupée. Il habite en Suisse. Il dit, habite en Suisse, Lorraine, France. Hein? Eh bien, dis donc, toi, tu habites à plusieurs endroits en même temps. Je ne sais pas si c'est lui-même. Il est en train de chanter. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est qui? Je ne sais pas. Ouais. C'est les jars là. Ira jars, il n'est pas un jars. Pourquoi on a un jars? Moutant quand tu fais un jars, il n'est pas un jars. Voilà. Moutant tu as un jars, il n'est pas un jars. Bon, je ne sais pas si c'est lui, hein. Mais c'est ça sur son compte. Attends, je vais le PD. Donc les têtes de mort, il y en a eu 8 au moins Batama Tenge. Tête de mort, Aïcha Kaba. L'autre là, il a un nom bizarre, Rastafaya, Rastakwala. Voilà, c'est un Rasta. Il y a Prosper Kaba, il y a Kandura, il y a lui que vous connaissez, il y a Kamara Mamadi. J'appartiens à Dieu, Saïdou Diallo et Amara Touré. Donc on a eu 8 têtes de mort aujourd'hui. Au moins Batama Tenge, il y en a eu. Donc à Tananaki. Merci à tout le monde. Alors, on va s'entendre et nous s'entendre. Tu es ira. Donc, tout, par exemple, vous voyez comme ce qu'ils sont en train de dire là. C'est des gens très, très mal élevés, très impolis. Et puis, qui ont la manipulation bas de gamme parce qu'ils sont très petits d'esprit. Vous voyez, quand on est petit d'esprit, c'est ce genre de choses qu'on fait. Par exemple, ça, c'est leur limite à eux. Quand celui qui écrit, toi, tu as peur de critiquer... le colonel barre toi, c'est-à-dire si tu es petit d'esprit, tu rentres dans ce jeu,
Tu te mets à critiquer la personne pour leur montrer que tu n'as pas peur. Vous voyez, c'est de la petitesse d'esprit. Donc, souvent, c'est ça qu'ils jouent avec les militants de l'UFDG. Et il ne faut jamais rentrer dans ce genre de jeu-là. Quand ils vous disent que vous avez peur de quelqu'un, il faut dire que oui, que vous avez peur de lui. Il y a des gens, on doit avoir peur d'eux. Surtout quand on vous dégage un impoli comme ça, là. Encore, il y a des têtes de mort. On va voir si c'est une nouvelle personne. Moi, t'en vas vérifier qui sont en haut. On aura tête et ça dit. Ah. J'ai rien à la tête. Je viens de la Guinée, mon frère. C'est comme ça. C'est pourquoi on a souvent des têtes pourries à la tête de la Guinée. C'est pas étonnant. Ça fait 57 minutes qu'on est là. Ça fait pas longtemps. Hein? À force de courir derrière ces loudalais, ça vous a amené là-bas. Toute votre communication, au lieu de protéger votre faux pouvoir que vous avez eu, vous avez passé votre temps à critiquer ces loudalais, à nous pourchasser, à nous insulter. Eh, vous avez perdu votre temps. Il fallait vous occuper des vraies choses. Et puis, quand tu as une page, quand tu te respectes, même un faux compte, il ne faut pas aller sur les pages déjà. Ça, c'est une faiblesse. Ça, c'est une force qui vous pousse pour venir ici. En plus, c'est les hommes qui font ça souvent. Mais c'est bon, vous êtes fâchés pourquoi? Vous savez pourquoi ils sont fâchés? Je vais vous dire. Je comprends pourquoi ils sont fâchés. Je comprends. Parce qu'en fait, ils attendaient que je critique le colonel par rapport au temps de la transition. C'est ça. Tu as vu? Je vous dis, ce qu'ils attendent, quand tu ne le fais pas, ça les perturbe. Donc, automatiquement, la dame, là, elle défend toujours d'aller. Non, le discours, là, elle ne va pas aimer. Parce que dans la transition, là, l'affaire de transition, là, ça va retarder. Donc, elle va le critiquer. C'est ce que je vous disais. C'est pourquoi ils sont venus tous. Ça fait longtemps qu'ils ne viennent pas ici. Les gens, là, ce n'est pas compliqué de les comprendre. Ce n'est pas du tout compliqué. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. C'est des petites personnes. Vous avez vu? Là où on t'attend, quand tu ne vas pas là-bas, ça les dérange. Rastafari, t'es fâché, parce que je t'ai exposé. Il est en train de m'insulter là-bas. Parce qu'il ne s'attendait pas que j'allais l'exposer comme ça. Bon. Les Guinéens, vous vous êtes déconnectés. Nous, on est en train de s'amuser maintenant. Attendez. Je ne vois plus les têtes de mort là. On dirait qu'il y a une nouvelle personne. Rastafari barokono. Rasta ali mugono. Rasta na agono. Rasta nira puissance nam masengi. Iba la tête de mort ça. Mbari maseng. Mais fin yari mouna nara. Eka. Quand vous êtes de mort à ça, vous fier au Rawalir. Ah, on va lancer l'équipage à Fimanier. Ah non, 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 à quoi c'est? Il n'a pas mis. Attends, c'est mon anatana. Elle coule en cas d'année, les femmes, mon nez, on combine mané. Elle coule, on a baillé à casa, moi. Eh. Il est fâché. Très, très fâché. Ok. Ah non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Il n'y en a pas de nouveau. Voilà. Donc, c'est pourquoi ils sont fâchés en fait. Vous avez vu,
Ils attendaient. La foi dernière, c'est ce que j'ai dit ici. Dans leur tête, c'est un pessimiste qui insiste là. Les adeptes de l'impoli là. Ils pensaient que je n'allais pas soutenir le colonel. Je les ai surpris. D'après le discours là, selon eux, tellement qu'ils sont petits d'esprit, ça veut dire que la transition va retarder. Donc si la transition retarde, tous ceux qui étaient opposés à l'impoli là vont se fâcher. Mais pourquoi je vais me fâcher pour ça? Et pourquoi? Et voilà. Voilà un autre impoli. Impoli là. Merci, hein, au revoir. Pour qu'on te bénisse, il faut me réunir. On va partir en moulin ou les nana. On mérite ton goût. On voulait relire ça. On voulait qu'elle dit soit. On voulait la solidité soit. Au pays, son aïe. Mais on va vouloir dans qui? On a un faux rêve. Nanan wa tiri gitim di tamba ibiri meki. Biriki, ibon se toro alo misiri nyane. Au revoir, hein? Ils sont trop fâchés aujourd'hui. Donc, les gens de l'UFDG, les communicants de l'UFDG, ne rentrez pas dans le jeu là. Il faut faire le contraire de ce qu'ils pensent. Même si le colonel doit mourir là-bas. Même s'il reste là-bas 50 ans. Même s'il reste là-bas 1000 ans. Agbar est en Naotambe. Oui, je suis bien habillée. C'est le foutard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. On va faire des petits doigts. Parce que ces jours-ci là, je vais un peu disparaître. Donc, on ne change pas l'équipe qui gagne. Inalou Alafia Loumane Rafi. Donc, ne révélez qu'elle rira pas Jema. Ofa Kumbiti B. Nous sommes donc ma fille, nous n'y ma fille, nous voyons ma fille à la Nakou. Oma Koulou. T'es mon dieu, une femme m'a fait mon fierané. Ou gérer sauf c'est moi qui l'aura compté, moi, faut qu'on bise ce bébé. Mousse gamma me ira pas, ma. T'as mon mère, ma toma. Mon mère, ma toma, n'est perdu. Parce que mien en bram alpha conde fora, me perdu. Il finit de fourrir, il finit de me dire, me perdu. Il m'a dit, m'a fait la bimbara, la hambara, hambara ta gamme. Mais au moins, m'en comprend, fille. Alors, on perdit. Dans une fille qui perd fanna. N'est-ce pas tête de mort fan sa fébé. M'en ou ma si bounye bé. A la vaki tu ou tan mon tantan. N'tanta gi. Ou son dom ma fi ma koulou. Ou nyanike ma fi ma koulou. Ou fan moun bouy koulou. Ki tu ou ara. A la souba ta la rasa. Ou tan mon tanta gi. A rasa bé. A rasa al giyama. Page kanye. On nous faut compte tongo, on nous ravre compte tongo. On guéri ma souffle, c'est ma. Ma fana de. On guéri ma souffle, on dit que la ronde, mala ou guéri. On guéri ma souffle, ou l'en oui. On ramire bien, bourri. C'est un tanera craya roma. Autant ou amener, c'est un tanera sabati la guinée, la guinée. Alors c'est un tanem, la guinée, la nes, comme un mouta. Kao farmane. C'est un an, alanakolo. C'est un an, alanakolo. Haora d'Aumane, alanakolo. Mais à Haoba, moura territoire, ma, à Haoba, stadora brafora. Parce qu'autant n'a c'est un an d'arine, autant moutagamma. Autant moutagamma, autant n'a c'est un an fine, ou le fille, il kaouka na oumana. On est scama, ou siga. Ma mère, m'barakerin tout. Amigane nara nga fam presenté amigo fori nara wonna luna amen okay ma amigo fori nara sangi ba kebe c'est toujours vous avez vu. Ils sont toujours en train d'exposer les patronymes peul. Bon, lui, il a ça. Lui, il a un vieux, là. Je ne sais pas qui c'est. Vous avez vu? Si on se met à afficher ces gens-là, voilà. Si vous voulez faire la capture d'écran, vous allez agrandir, mettre quelque part. Voilà.
Les voilà ici. Sangiba Kaba, Sangiba Kebe, Rastafari, très fâché. Aïcha Kaba, Prosper Kaba, Kandura Gabi, Kamara Mamadi, j'appartiens à Dieu seul, Saïd Diallo et Amara Touré. Et voilà, Ndeiki, nous on a fini. Moutambarage, Moutambarage, Moubarage. On a fini, hein? Voilà. Le colonel Mamadi Doumbouya, je ne vais pas le critiquer, juste pour ouvrir cadeau. Womun tan noma. Womun noma tan no di galati. Womun agra kirena. Womun kirem mara. Womun agra di fan di fe na ki ne ati mun tan noma. Na magra bulugi. Womun agra ne vora ne. Magra bulugi na nani ra. Kana mara. Il t'a mis battu ma 40 ans. Il fait chef de quartier résultat de Wanyamale. Chef de quartier. Hali chef de quartier Tungubulu Guinée, pas de la Guinée. A nous voilà maintenant Wadi Kamedibem. Voilà, on va revenir à nos doigts. Donc merci pour les partages, pour les commentaires, pour les cœurs. Carla vous guide parce que c'est le meilleur des guides. Voilà, qui vous assiste parce que de toutes les façons, quand il t'assiste, tu gagnes tout ce que tu mènes comme combat et il te guide dans le sens. Dans le meilleur des sens. Voilà, comme moi, Mashallah, il m'aime. La différence est que je l'aime. Je m'accepte. Voilà, en tant que femme, comme je vous le dis, je ne mets pas de produits éclaircissants, je ne mets pas de faux cheveux. De nos jours, je pense que ceux qui insultent ici, vous devez me dire merci. Mais vu que vous êtes habitués à voir des fausses personnes qui ne s'acceptent pas, ça vous dérange déjà de me voir comme ça? Je suis désolée pour vous. Tant pis pour vous. Si vous êtes du côté qui perd à chaque fois, ça, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Soit vous vous battez mal, soit vous vous battez plus fort contre quelqu'un de plus fort, c'est-à-dire quand quelqu'un est dans la vérité, quand quelqu'un est avec Allah et la personne est patiente, forcément, ce sera quelqu'un de fort. Parce que cette personne est avec Allah. Vous, vous êtes avec le mensonge. Vous ne pouvez pas gagner. Si vous avez quelqu'un de patient qui vous pourchasse, qui pourchasse le mensonge, la personne va gagner forcément. Vous étiez dans du faux. Vous étiez dans du faux. Ce n'est pas possible. Je suis désolée. Ils ont jeté notre argent du contribuable donné à des gens voués à l'échec. Voilà. Donc, merci. Wali qui transition, Yaraïsou, qui transition Rakana. Rien à temps, on va faire rien à temps, c'est le bafé à la nanguda. Ou l'on ne nous d'allure n'a pas utilisé fait à la nada. Ou à la bafé n'est pas contre à la nanida. Mbala rakana. Et t'en n'a pas tête de mort ressemble à Féiki. À la rabalou d'intégrer, ben y'a un mot de l'unama. Amina là. Au vanga, c'est d'amina. Maintenant, colonel Nara équipe à la réguider. Nara yo femme la Guinée ben a transition ñe kéré na femme ba ala nan na kulu ala nan ba a transition risouli na femme ba ala nan na kulu a transition ñe fu na femme ba ala nan na kulu a transition ñe kéme na femme ba ala nan na kulu a transition ri kéré na femme ala nan na femme kulu ba ala kana raba ala kay guidé muta nga na mo wonde ala ka colonel na ka équipe guidé la Guinée ka sa bu fami na ni ga getira temundi na woya mabi wotan na kan namba tofe gidere ube wo fa mamma todi aka sabu fo le gidere aka sabu fo ina na kan yoyira ifindi mi ko model yure ifindi sestera ina dunya yire yoy ala bi kunti la gidera ala ka fe sonya ala ka le gidere aka sabu fo ina ne yire ne lo re boruma e re retrouver ke boru retrouver e ka mo woli dans ensemble rastem besoto alko le gidere ba stintane mo stintane kuyira alko iblis ka mini la gidera. Mon gars, voilà, il insiste fait Iblis fait quoi? Raoura na bon. Raoura na Facebook namba. Raoura na dead. Où est-ce fini à la ramirida? Où les couilles? Où le mérite de l'obore? Ebore, c'est fait là.
wonu fabe wonu hurtari araba parce que wonu ngi ora men gena mana hurtari na kan suri ala hore yel ba wo sari fi kira parce que wonu nanan la yo donc à bientôt mais cette semaine là non la semaine prochaine peut-être inchallah dans une ou deux semaines peut-être on verra quand Allah le voudra je serai là ne vous inquiétez pas si vous pouvez éviter de critiquer le colonel évitez ça ça les fait très mal ça les fait énormément mal voilà il faut savoir ce qui dérange l'adversaire et tu appuies là-bas c'est tout nous sommes en guerre. Quand vous êtes en guerre avec quelqu'un, on se bat, c'est pour gagner. Ce n'est pas pour perdre. Et c'est la fin qui justifie les moyens. Moi, quand je me bats, je mets tout en œuvre pour gagner. Même s'il faut perdre certaines choses. C'est comme ça que ça se passe. Vu que vous voulez que je combatte le colonel, je ne le ferai pas. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Et même s'il le fait, je ne vais pas le combattre. Juste... Pour vous faire, vous voyez le reste que je vais dire, non ?